Salut tout le monde, c'est Corentin 4908. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Moonwalk 2 sur Prince of Persia, les sables oubliés, autrement dit, le prince de Perse. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est vrai que jamais je demandais, mettez-moi des commentaires pour savoir qui est un titre, personne m'en aurait mis. Donc j'ai choisi moi-même, j'espère qu'il vous plaira. Donc on est sur l'épisode 2, on s'était arrêté là. J'ai été un peu pris par le temps donc j'ai pas pu m'arrêter. Voilà, donc j'ai pas continué, je vous ai laissé, et j'ai réglé le problème de son, vous allez voir, parce qu'avant, je n'étais pas bon, c'était, enfin, j'ai pas mis le son où est-ce qu'il fallait, donc là c'est bon, c'est réglé, parfois il parle, je vais essayer de me taire quand il parle, mais c'est un peu dur à savoir quand est-ce qu'il parle en fait. Donc on se retrouve encore pour un quart d'heure, hein, comme tous les mercredis. Jusqu'à ça, je vais faire de la vie. Alors. Des poutres. Ouh. Ah. Encore ces flèches. Hein. Drôle de souvenir. Hein. Je parle déjà de souvenirs à l'épisode 2. Waouh. C'est un peu dingue. Hein. Il y a plein de portes là. Il va falloir que j'aie laquelle moi. Ah. Il est dingue, lui. C'est comme ça que tu traites la famille ? Tu choisis mal ton moment pour venir. Je dirais plutôt que tu choisis mal ton moment pour faire la guerre. Bien, à ta prochaine visite, je supplierai mes ennemis de ne pas m'attaquer. Tu tombes vraiment bien. Nous devons ouvrir ces portes. Les mécanismes se trouvent sur ces tours. Une fois que tu les auras activés, les portes s'ouvriront. Je suppose que comme tu es déjà monté, ça ne posera aucun problème. En effet. Bien. Ensuite, redescends vite. Je ne veux pas avoir à dire à notre père que tu t'es blessé sous ma garde. Ta garde. Allez, vite. Oula, il est bien. Bon, voilà, c'est fini. Allez, alors il a dit qu'il fallait activer les mécanismes. C'est tout con quoi en fait. Ça. On active ça vite parce qu'il y a un compte à rebours on dirait. Je saute, allez vite. Ça a ouvert hein. Quel jeu. C'est beau, hein. Je dis pas grand-chose parce que je suis concentré. C'est pour ça. Là. Je te rejoins, ouais. C'est ça. Et je vais prendre le chemin le plus long. Ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, parfois il parle comme ça. Alors, je m'en rends pas toujours compte parce que bah, je parle en même temps, donc... Oula, 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 oula. Ils ont des bouquets. Ah. Tiens, t'es nul, hein. Hop là, pied. Eh. Ils sont pas très résistants. Hein. Jusqu'à 5 attaques ordinaires et attaque puissante. Ah non, mais je comprends. Ben les attaques puissantes c'est une chose. Par contre c'est long à recharger. Alors attention, putain il est là mais... Il y a d'avoir du monde par combat. Hein. Oui, bon, je montais moi.
Mais c'est un labyrinthe, quoi. Hey. Il y a un passage. Ah. Oh non, vite. Vite. Je sais pas si on se fait écraser si on reste en dessous de la porte. Je me pose bien la question. Alors. Oh, désolé, Mali. Je t'ai fait attendre. Comme j'ai voyagé toute la journée, je me suis arrêté au bain pour me reposer. Ensuite, j'ai pris un bon repas et voilà. Je suis fin prêt pour t'aider à défendre ton royaume. J'ai rien entendu. J'espère que ça s'entendra. Ça devait être marrant. Ah, c'est quand même un nul, hein. Il y a que 5 personnes contre lui, il est même pas capable de se battre. Cette porte mène au caveau, au trésor. Bah... Je dois trouver un moyen. Je récupère le mouvement, puis je suis mort. Je pouvais pas bouger. J'ai même pas pu bouger. Pas pu sauter, j'ai rien pu faire. Oh là. Ah oui, un jeu sans lag, ça n'existe pas encore. Cette porte mène au caveau au trésor. Tu dois trouver un moyen de descendre. Un moyen de redescendre. Et toi, tu trouves que les colonnes pour pouvoir retrouver un moyen de redescendre? T'es sérieux, quoi? S'il se retranche dans le caveau, est-ce qu'il projette de libérer l'armée du roi Salomon? Il serait fou de compter sur une armée mythique pour empêcher l'invasion. Il faut que je le prévienne. Oula. Une armée mythique pour arrêter une invasion. Oula. L'invasion, je comprends un peu. C'est chiant. Tiens. Allez, allez hop là. Bye bye. Ok. Il m'embête. En plus, il donne même pas de vie. Hop là, coupé. Oh, ce qu'il lui a mis. Moi, je me mets plein de coupé, moi. Hop là, puis je l'ai tué, là. Mais vas-y, quoi. Ah, minimum. Ça, on sait déjà qu'il faut appuyer sur quoi pour sauter d'un mur. Hop là, saute. Hop là. Et hop là. Descends. Ah, les rideaux, moi je trouve ça trop marrant. Voilà, en fait, il venait de là. Le rideau était là. Et il n'a pas trouvé d'autre moyen que de faire tout le tour par là jusqu'à arriver là, en fait. Waouh! Si c'est pas de l'intelligence, ça. C'est sûr que toujours les héros dans Black Ops. Ou... Enfin, je sais pas dans Black Ops, je m'en rappelle plus. Je sais souvent que les héros, mais. Toujours, ils choisissent les chemins les plus compliqués. Soit parce qu'il y a une super beauté, un super beau truc à faire, ou je sais pas, mais ils choisissent toujours le chemin le plus compliqué. C'est pas normal. À moins qu'ils soient comme ce que j'ai dit, ils sont tous toujours avec des reliques et tout, mais quoi. J'essaye de ça. Oh, ça mais je vais mourir. Hop là, je t'enchaîne, non, hop là, hop là, toi t'es mort, vivant. Ouais, mais ils sont chiants, ils font peur avec leur massue. Au départ, ils étaient que 5, et là, regardez combien ils étaient là. 6, 7, mais vous êtes sérieux? Même pas 8, 10, un truc comme ça. Voilà, et là, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Il a encore cherché le moyen le plus compliqué en fait. Ah, la vie. S'il vous plaît, là-bas, la vie. Oui. Ça me suffira. Merci. Ouh, petit lag. Ouh. Je vous jure que c'est pas la vidéo. En fait, j'ai eu les orbes. Pour ceux qui n'auraient pas vu.
J'ai eu les orbes et puis j'ai dû attendre au moins 5 minutes avant qu'elle vienne à moi. Non mais c'est impossible quand même. Olé. C'est énorme. Ah là par contre ça marche, même plus tôt même. Hop là, et hop là. Allez, allez, il se casse la gueule, et hop là. Ah, de l'or. Vas-y, prends l'or. En atteignant le caveau, j'ai compris pourquoi Malik était venu. Il avait placé son dernier espoir dans l'armée. La seule autre option était la retraite. Il avait fait. Wow, ça tremble. Peur. J'ai vu les deux petites barres là. Ah oui, hein. Hop là, et il monte. De mur en mur, attends. Hop, oh non. Oh, c'est stylé ça. C'est pas de la classe quand même. Eh mais ils sont riches là. Ils sont riches. Et même de l'or, même par terre. Oula merde, je crois que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous me croyez pas, moi je crois que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Wow, mais on commence à aller dans de grands enchaînements là. Ils ont pas l'impression de me dévaliser là par hasard. L'envahisseur avait atteint le caveau avant moi. N'ayant rencontré aucune résistance, il prenait son temps pour s'en accaparer tous les trésors. J'ai compris que le palais était perdu. Là d'un coup, il s'arrête de chercher les trésors pour venir se battre. Hein. D'où ils sortent avec les boucliers là? Vous savez tous que je les aime pas. En fait, non, ça devait pas rien que je dis en fait. Mange! Hop là! Même si je trouve ça trop stylé de voir des nids équipés. Tiens, t'as pas aimé là? Hop là, t'as loupé. Hop là! Je suppose qu'il faut aller là maintenant. Sinon, j'aurais fait ça même. Oh, mais non! Oh, mais nous en sommes déjà à 13 minutes, mes amis. Je crois qu'on va devoir se quitter sur la porte. Hein. Allez, monte. Zou. Wow. Regardez comme il change. Hop là. Zoupia, non, non, c'était de l'autre côté. Hop là. Et voilà, mes amis. Nous allons devoir nous arrêter là. Ah, c'est fou comme ça passe vite. On s'arrête là. Et on se revoit bah, pour la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi prochain, pour la suite, c'est-à-dire l'épisode 3 de notre walkthrough, qui j'espère vous plaît pour l'instant. Allez, salut tout le monde !